c'est les deux journées un peu unique en Berlin Jeunesse. Et là, on a eu vraiment des réponses qui nous ont vraiment encouragés, puisque à peu près sur un mois, on a 400 jeunes qui sont qualifiés pour les journées. C'est là que ce rapport-là à côté. Et donc, on essaie de continuer avec eux aussi. Le retour et l'implication des gens que vous avez. Ici, on n'a pas de chance. Le point de vue qui est devant nous. Qui vous avez pu arriver effectivement après ce moment et cette période un peu difficile. Grâce à d'autres associations, a continué l'action sans aucune interruption. Et puis petit à petit, nos partenaires se sont repris leurs activités. Et maintenant, on associe ici à Miami, donc de continuer à répondre de façon très importante. Et je serai structuré à l'aide alimentaire. Ce n'est pas le seul objectif du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette aide alimentaire, on l'a travaillée aussi et on a gagné en qualité grâce à l'écoute aussi des pouvoirs publics, puisqu'aujourd'hui, on a une démarche pour acheter un circuit court, pour travailler avec les agriculteurs, pour travailler avec les marchés d'intérêt nationaux, comme celui de Montpellier, et pour donc avoir des produits frais, travailler avec les agriculteurs, sans délégation, avoir des produits frais, être en réseau avec les agriculteurs. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu de temps, mais par contre, on peut agir sur l'aide aux agriculteurs, et sur la main, aussi, puisque on peut travailler avec des produits de très bonne qualité.